Bon, nous voilà repartis. Alors on est parti pour aller à l'église, pour le crucifix, le poser dans la salle et continuer d'avancer et tout ça. Et peut-être le boss de l'église, hein, les savoir, ce sera peut-être la fille Justine là, on ne sait pas. Et oui, j'avais pensé, je me demande s'il y aura un mode boss rush dans ce jeu, comme il y avait dans le premier. Je sais pas, hein, faut voir. Alors là, c'était le premier endroit où il y avait un cadenas. Donc c'est pas là, c'est par là, hein, théoriquement, hein? C'est normal que... Putain, bah, je m'en rappelais plus de ça. Prends ça. Ouais, le mode boss rush. Oui, parce que oui, le mode boss rush, du coup, je vous l'avais montré dans le. On l'avait pas fait en Odyssée, mais je vous l'avais montré pendant que je parlais dans la conclusion. En fait, c'était un. Prends ça. C'était un mode où on affrontait tous les boss du jeu à la suite, mais les upgrades qu'on avait, donc notre puissance, c'était fixe en fonction. C'était au choix du développeur, quoi. On n'avait pas le. Pas le choix. Putain, fait chier ce camion dehors là, je sais pas si on va l'entendre. Là, on l'entend fort quand même. Une espèce de truc qui balaye la rue. Oh, c'est quoi ça? La bague turquoise, mais on l'avait déjà? Sérieux? Mais c'est tout simplement incroyable! On en a deux maintenant? Putain, mais c'est bizarre ça, franchement. C'est très bizarre quand même. Bon, allez, où est la salle? Bah, c'est juste en haut. Hein. Il y avait même une salle où on pouvait aller vers le haut, là, en bas à droite. Et il y a même une salle où on pouvait aller en haut, là, mais qui est apparue sur la carte en mode sombre. Bon, normalement, c'est juste à droite. Hein. C'était pas difficile, hein, vous voyez, pour y l'atteindre. Et voilà. J'ai eu peur, hein, parce qu'il a attendu un sacré moment. Réflexe ornemental a été utilisé. Oh, mais il y a besoin de rien faire, là! Mais comment ça se fait? Ça a ouvert la porte tout de suite, hein. Alors que pourtant, on voit bien qu'il y a un rouge, argent, or. Ouais, peut-être la salle d'à côté. Oula. Encore une araignée, bien joué. Ça fait un bail, hein. Comment je vais faire pour la voir? Putain, mais. Heureusement, elle recule pas mal. Alors, comment je vais faire là? Ouais, poison, je m'en doutais. C'est pour ça que je voulais pas approcher, mais bon. Je l'ai fait quand même et. Oh, qu'est-ce que c'est? Prends ça. Deux. Trois. Putain, c'est très bizarre quand même. Des chauves-souris! Première fois qu'on voit un mob de ce type. Oh putain, non. Ok. C'est là où le dash en l'air va être utile. Oh putain, ça va, elles sont relativement. J'aimerais bien que le poison cesse de faire effet là. Alors, est-ce qu'il faut y aller quand. Oh putain, celle de gauche, elle est rapide par contre. Hein. Celle-là, elle est lente. Alors, est-ce qu'il faut y aller quand elle est en haut ou en bas? En bas, je dirais. Hein. Surtout si tu veux faire un double saut. Il faut bien choisir le timing avec celle de gauche. Waha! Incroyable. Je pense que même si je me baisse. Et que je me mets à gauche, elle va me toucher. Comme ça, là. C'est pour ça que je préfère rester à droite, en fait. Bon, là, c'est simple. Et non pas le passé simple. Bon, là, par contre, c'est plus dur, hein. Les anneaux, j'aime pas ça. Oh! Waouh! Elle a failli me toucher, cette merde. Waouh! C'était risqué de faire ça. Hein. Oula, mais elle est altérée, cette statue, là. Altered Beast. Oh, merde, les revoilà. Ah, ça va être chaud de pas se faire toucher. Mais vaut mieux se faire toucher par elle que par les pics. Hein, je pense. C'est pas excessivement compliqué, on a connu plus dur. Bien. Prends ça. Alors, est-ce que je vais ici? Voilà, heureusement que j'ai pas fait le double saut. Hein? Ouais, bien le point de sauvegarde, splendide. Ça sent le boss, hein. Sauvegardage. J'en ressentais pas vraiment le besoin, mais je trouve ça plus dur que moins dur que l'académie en fait, hein, pour l'instant, pour tout vous avouer. Mais tant mieux, je préfère. Puis ça se trouve, on va revenir ici si on se fait tuer, on reviendra ici et tiens donc. Et on va se à un endroit lugubre, des voix résonnant au vent.
La terre de la nuit éternelle, c'est le dernier lieu du jeu, c'est ça? Je suis construit. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit ça. Beaucoup de ruines dans la vallée, dans la forêt, le château se trouve près du lac. Ah bon? Alors en fait, on n'y a jamais... On n'y a jamais été au château alors. Oh putain, c'est quoi ça? Ah d'accord, j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. Ah ouais, quand même. Alors, c'est lesquels? Alors, ça c'est en or, ça c'est en argent, ça c'est quoi? Bronze? Ça c'est rouge? Et ça c'est en bois? Et ça c'est en grand bois? Ah, j'ai des doutes quand même. Argent? Bronze? Parce que des fois le bronze c'est vert, je crois. Non, c'est ça, bronze. Parce que là, dans ma solution des crucifixes, là j'ai marqué un rouge, deux bois, 3 or, ça va être chaud. 4 bronze, 5 grands bois et 6 argent. Allez, on va tenter comme ça. Alors, le premier, c'est le rouge. C'est pas compliqué, c'est le plus grand. Mais faut pas se foirer, Jackie. Faut être rapide. Allez, le rouge. Ah oui, on a entendu. Ah, ça met un peu de temps. Deux bois. Mais c'était celui-là, non? Attendez. Argent. Bronze. Ah merde, ça revient ici. Ouais, c'est bon. Donc après, c'est or. Donc c'est le ornemental. Là. Yes. Ensuite, bronze, c'est le vert. À chaque fois, il commence d'un endroit différent. C'est bizarre. Voilà. Ensuite, grand bois. Hein, c'est pas celui-là. Et argent, ensuite. En dernier. Est-ce que c'est bon, là? Argent, donc c'est le gris. Voilà. Yes! Quel talent! Allez, je remonte en haut, j'ai pas envie de refaire ça. Hein. Faut voir si c'est ouvert là. Ouais, c'est bon. On va sauvegarder hein, pour pas avoir à se retaper ça. C'est juste à côté, ce serait con de pas le faire. Et après, ben, on sait, on peut être un boss, hein, on sait pas. Merci. On sauvegarde pour plein de raisons différentes, hein. C'est assez incroyable. Allez, je regarde un petit coup sur la map quand même. Ah, peut-être que ça va rejoindre les deux endroits. La salle de gauche et la salle en bas à droite. Qui est juste en dessous de moi, en fait, là. Mais pas avant un petit boss, évidemment. Oh, putain, non. Un boss araignée géante. Oh, c'est Justine. Je peux plus bouger. Oh, merde, c'est quoi, ça? Constance! Hein, c'est Constance, comment ça se fait? Oh putain, c'est une... comment on appelle ça? Une échidnée. Merde, je peux plus bouger! Faut détruire cette toile! Elle était en plein sur moi, là-haut. Oh putain, merde, vite! Bah, je suis complètement bloqué. Wouah, putain, comme on est paralysé longtemps. Il est chaud, ce boss. Hein. Et je suis mort. Mais non, mais c'est quoi, ça? Elle marche sur les murs aussi, elle est gigantesque, putain! Elle fait tout l'écran, là. Oui, il y avait des ennemis comme ça dans Circle of the Moon. C'était des échidnées ou je sais pas quoi. C'est des femmes araignées, mais ça ressemble beaucoup. Elles étaient montées sur des pattes d'araignées comme ça, donc... Elles pouvaient faire des toiles aussi. Donc, fait chier, ça va être chaud. Hein. Oh non! Je vais essayer avec ça, là. 1, 2, Michael Q, putain! Non mais 135 points de dégâts, t'es sérieux là? Comment ça se fait? 1, 2, 3, mais putain, mais oh! Oh, je peux le faire! Oh putain, les dégâts! Wouah! Je le fais deux fois et c'est bon, j'ai envie de dire. Ah mais comment veux-tu là? Je pouvais rien faire, putain de chiotte là! Non mais la bonne nouvelle du jour, c'est le Thousand Blade là. Hein. Quoi, est-ce que je peux le faire deux fois? Ça prend combien de cœurs? Ouais, ça en prend pas beaucoup. Hein. Franchement, je peux même le faire trois fois, j'ai l'impression. 25 et 20... Ouais, c'est 75. Non, on avait dit c'était 65. Ou 85. Et heureusement, ça m'a pas gâché de cœur. Hein. Pourtant, j'ai fait le tournoiement. C'est complètement cheaté, franchement. On la touche deux fois comme ça et c'est bon. Mais elle peut esquiver aussi. Alors, le problème, c'est d'arriver à... Oh non! Mais putain! Mais je comprends pas pourquoi des fois elle me fait 135 points de dégâts là, vite! Oh, putain, j'ai failli me...
Allez, ramène-toi. Prends ça. Oh non, je la touche pas, c'est à chier. Mais ce qui est bien, c'est que regardez, je peux charger et attaquer quand je suis paralysé. Quand je suis entoilé. Et non pas tout à nous. Putain, hein, il lui restait 480 là. Eh, c'est pas si évident que ça, vous savez quoi. Mais à chaque fois, elle me fonce dessus là et elle vient sur moi, putain. Pourquoi elle grimpe sur le mur là? Là où je suis. Exactement là. Allez. Bon ben, on... c'est long hein, pour charger jusqu'au troisième niveau. Faut bien doser son timing. Adelbert Steiner. Ah non, mais putain, mais d'où, là? Prends ça. Oh, regardez, là, je bourrine bien, là. Mais c'est énorme, elle est buggée. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et elle est morte. Mais c'est quoi, ça? Elle avançait plus. Je pense qu'au bout d'un moment, elle aurait fini par venir vers moi, hein, monter au mur, et... 390. Et continuer comme elle fait d'habitude. C'est juste que là, on a eu de la chance avec le placement. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais je sais pas si c'est vraiment normal. Hein. Ah, ok, d'accord, on atterrit ici. Iron Ring. Ok, c'est quoi ça? Ça me semble bizarre, hein. On a l'impression que c'est un truc basique. Ouais. Augmente assez l'attaque. Effectivement, ça c'était augmente un peu l'attaque, et ça c'est augmente assez l'attaque. Ouais, mais c'est bien gentil, mais... On est quasiment orienté à fond vers l'offensif, là. C'est bien gentil, mais... Mais je préfère prendre ça, parce que le bandeau, le card, je vois pas ce que ça fait concrètement. C'est bien gentil, mais ça n'a rien débloqué, là. À quoi ça a servi de battre ce boss? C'est complètement con, franchement. C'est pas ça qui va nous aider dans la suite. C'était pas ça, la suite? À quoi ça a servi, le cru... Ouais, bien, ça. Le crucifix et tout, là. Je comprends pas. 95 points de dégâts, quand même. Pourquoi Elle a pas donné d'upgrade ni rien. Hein. De nouvelles compétences. Je comprends pas. C'est un petit peu du what the fuck, là. Hein. Deux ennemis pour le prix d'un. 121 points de dégâts, quand même, hein, en coup brut. Mais on a le 240. Record des dégâts, non? Mais non, je suis dégoûté. C'est quoi ces conneries? C'est n'importe quoi, franchement. Et c'est pas normal qu'un boss super dur comme ça serve à rien. Et c'est quoi, déjà, qui m'empêchait de passer en haut, là? J'ai envie d'y retourner pour voir. En se rappelant que j'ai pas sauvegardé. J'ai quand même envie d'y aller. 238. Là, je suis un petit peu troublé, là, je veux bien vous l'avouer. Non, c'est pas là, le point de sauvegarde. Enfin, il y en a un, mais il est loin. Non, mais qu'est-ce que c'est? On a dû faire plein de trucs pour arriver jusque-là. Et t'es en train de me dire que... Moi, je m'attendais à ce que ça me donne le pouvoir de respirer. Ah ouais, il y avait ça, là. Pouvoir de respirer sous l'eau, ou je sais pas quoi, là. Le super saut, Tiens. Qu'est-ce qui m'empêchait de passer en haut, déjà, là? Aouh. J'aimerais bien éviter de me faire toucher. Non, mais c'est une connerie comme ça, c'est sûr. Oui, il y avait des anneaux en haut, si je me souviens bien. Alors, attendez. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire, là. Ouais, il y a la corde en haut. Est-ce que je vais pouvoir l'atteindre avec le saut horizontal? Le dash en l'air. Dépêche-toi, là! Ah, merde! On a perdu le truc. Encore une fois, je pensais qu'elle viendrait plus loin, cette merde de plateforme, mais elle va pas à fond à droite. Hein. Surtout que j'aurais pu faire le double saut, là. Bon, ça va être un peu chiant. Limite, la première fois qu'on est venu ici, on l'a passé plus facilement. Ah, merde. Chier, celle-là, là. Dégage. Alors, est-ce que... À quel moment faut y aller, là? Non, au prochain, peut-être. Non, la roue va descendre. Voilà, maintenant, c'est bon. Ah! Mais putain! Quelle connerie, ce truc! Pourquoi j'ai fait le dash, là? Dépêche-toi.
J'ai envie de voir si on peut y aller maintenant, là. Perdre du temps avec ces conneries. Dégage. Avec mon coup de baguette magique. Alors c'est... Putain, mais c'est jamais le même timing ou quoi, là? Saloperie de bestiole. Voilà, là, maintenant, je peux y aller. Voilà, splendide. Ça, c'est bien comme timing. Oh, putain, mais ça va être chaud, là-haut. Ouais, nickel. Allez. Pas le moment de se foirer, on a fait le plus dur. Mais putain, mais c'est quoi ça? Putain, mais c'est vraiment de la merde! C'est saut, putain. Ça, c'est vraiment le plus gros défaut du jeu, clairement. J'aurais dû m'agripper, là. Y a pas de raison, putain. Bah, évidemment, c'est chez moi, putain. Dégage. Allez, j'attends qu'ils reviennent. Oh, putain, j'ai failli me... Alors. Voilà. Comment on passe, là, du coup? Je vais pas pouvoir passer avec cette croix de merde, là. Enfin, ce truc de pique. Ah, mais putain, mais... Pff. Péter un câble dans pas longtemps. Ok, la manette qui se débranche. Allez, dépêche-toi. Ah, je peux plus attaquer! Oh, putain, non, ça bug. Oh, putain, non. Je peux juste me déplacer. La touche de saut... Oh, putain, non. Tout bug. Toutes les touches bug. Mais putain, mais ça, c'est trop con. Parce que la manette s'est débranchée. Donc, y a plus rien qui répond à part les touches de direction. Putain, et je peux pas jouer au clavier. Ouais, y a que les touches du clavier qui... Ah si! R et E. Ok. Putain, mais je vais pas jouer comme ça, c'est naze, là. C'est quand, la dernière fois qu'on a sauvegardé? Allez, je me barre. On reviendra ici. Je vais faire une coupure, je relance le jeu, et voilà. Putain, mais en temps normal, on perd déjà suffisamment de temps comme ça, là. Je vais revenir à l'endroit où il y a la nonne. Et la touche de spécial, c'est quoi? D pour charger et F pour... ok. C'est E-R-D-F. Putain! Voilà. Attends, je me fais à la jouabilité. Hein. Eh ben! T'as raison. Tiens. Ça a l'air pas mal, hein, comme ça aussi. Mais je suis pas habitué, là. Je vais faire que de la merde si j'essaye de sauter comme ça. Oh, putain, non! Oh, non, sérieux! Putain, mais quelle merde! Putain, mais c'est vraiment de la bouse, bordel! Je veux juste un point de sauvegarde, là! Ouais, la map aussi, ça marche plus, putain. G-T-H-I-I-K-O. Faudrait sortir et aller à droite du village. C'est pas trop loin. D'ailleurs, comment on ferme la truc là? Voilà, touche d'attaque. Ça coupe la musique donc ça me fait flipper ce truc de merde à chaque fois là. C'est vraiment de la bouse ce truc, bordel. Putain, tout ça pour ça quoi. On est en train de perdre du temps, hein. Tout ce qu'on fait c'est pour rien, depuis tout à l'heure, là, depuis que la manette s'est débranchée. J'aurais dû arriver à ce saut de merde plus tôt. Bon, va falloir se démerder avec seulement deux touches, hein, les directions et tout. Et il faudra revenir ici et retenter les sauts, et c'est chiant. Ça devrait aller, hein, c'est pas insurmontable, hein, le reste là... Chier, je peux plus faire les glissades et tout là en attendant. Ah! Que mine de rien, ça manque. Hein. Pas pouvoir faire le dash en l'air et tout. Et déjà 20 minutes. J'étais persuadé que c'était par là la suite, hein, mais non. Faut croire que non, finalement. Ah ouais, les tritons. Dégage. Heureusement qu'on a encore pas mal de points de vie. Voilà, donc on va juste sauvegarder et je relance le jeu pour... faire en sorte que la manette ne bug plus. Je reviens à l'endroit avec les sauts de ouf. Enfin, la salle en haut, là, où j'essaye d'aller désespérément depuis tout à l'heure. Là, mais je le fais en off. Hein. Et on retente. On retente les sauts. On retente d'y arriver. C'est difficile d'y arriver. Allez. Merci.
pour devenir un bon ninja, mon petit Nicolas, un vrai ninja. Et voilà, je crois que c'est le chanteur de Nicky Larson d'ailleurs, Jean-Paul Césari normalement. Bon allez, je coupe et je vous reprends quand on sera à la salle des sceaux. Voilà, à de suite. Ah, j'aime pas faire des coupures dans la vidéo, mais là, depuis quelque temps, là, il y a à chaque fois un truc qui m'empêche de le faire. Hein. Et le texte a encore disparu dans le fichier texte, bien joué. C'est pas grave, on en aura pas besoin, je pense. Hein. Bon, ça y est, on y retourne. Il y a juste eu à relancer le jeu, il n'y a pas eu besoin de débrancher, rebrancher, vu qu'elle se rebranche toute seule. Allez, c'est parti. On est de retour, hein. On va essayer de tant bien que mal de faire ce saut de merde, là. Ce qui m'énerve, c'est en haut. C'est pas trop la première partie, c'est juste long. C'est pas dur. Mais long et dur, voilà, c'est ça. Histoire de faire des jeux de mots. Salas. Alors, voyons voir si... Marcello Salas. Est-ce que je vais réussir, là? Voilà, bien joué. C'est là, là! Pour atterrir sur cet anneau de merde. Voilà, nickel. Ouf, c'est bon, on a réussi. Et c'est le chiffre 3. Et en plus, une nouvelle armure. Donc les 3000, on les a utilisés quasiment pour rien, franchement... Deux récompenses pour le prix d'une. Voilà, le multi-shot. Donc là, je peux lancer trois objets à la suite avant d'attendre de pouvoir en relancer. C'est énorme. Surtout avec la croix, là, on est complètement cheaté. Golden Ring. Bon, c'est évident qu'elle est mieux que celle qu'on a. Hein. Une armure d'or du Sagittaire. Ouais, plus 10. Très cher et offre une bonne protection. Il parle sans arrêt du prix, comme si on pouvait les vendre, quoi. Mais non, hein, j'en ai pas l'impression. Et voilà, on est à 50 en défense maintenant. C'est énorme, hein, on devient de plus en plus puissant. Et on a bien le retour, c'est beaucoup plus... Oh putain, j'ai failli me faire toucher. Ouais, quand même 15 points de dégâts. Je pense que c'est moins que tout à l'heure. Oui, on a dit que c'était pas ça que je voulais faire. 86%. C'est parce qu'on est au comté d'Albaret. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, là? Parce que c'est bien beau, mais... Je pense que c'est encore un truc avec le... Bon, vous savez quoi? On va faire d'une pierre deux coups. Très juste, d'une pierre deux coups. On va non seulement explorer pour tenter de ramasser des upgrades, des augmentations de HP, ce genre de trucs, là, comme au cimetière, là. Des objets, de l'argent, je sais pas. Aux endroits où on n'a pas encore été et qui nécessitaient le dash en l'air. Voilà, comme on a fait précédemment. Et non seulement ça va nous servir pour ça, mais en plus ça va nous servir pour trouver la suite, quoi. Voilà. Bon, à gauche, il n'y a rien. Ça sert à rien d'y aller. Le premier endroit qu'on n'a pas été, c'est... C'est quoi ce T inversé, là? Attendez. Pourquoi j'ai pas pu y aller, là? C'est de l'eau? Oui, c'est de l'eau, hein. Normalement, c'est un donjon sous-marin. Hein. Là où il y a les plateformes, là, les plateformes blanches... Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est d'aller à l'endroit où il y avait la ceinture. Vous vous rappelez? Où il y avait les pics. Que je croyais que c'était ça qu'on pouvait détruire, là. Mais non, en fait. Là où il y a les plateformes, justement. Tu vois, eux, là. Ouais, 5 points de dégâts. Et quand je les touche... Ouais, 5 points de dégâts, c'est mieux. Hein. En venant, j'ai vu que c'était 11 ou 13. Hein. Les points de dégâts de... Ou 15. De eux, là. Donc, effectivement, c'est largement mieux. C'est con qu'on puisse pas vendre, d'ailleurs. Parce que les premières armures et armes, on n'a plus... du tout d'intérêt à les utiliser maintenant, hein. Donc ça, on aurait pu les vendre et ça aurait pu nous faire du fric pour acheter d'autres trucs, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même. Allez, sauvegarder, ça fait jamais de mal. Merci. Par contre, ça fait mal aux yeux. Alors, voyons voir et c'est où les plateformes? Voilà, c'est là. Et non pas Buenos Aires. Est-ce que je peux y aller là? Ça là, vous voyez? Là, déjà, je peux y aller, regardez, c'est énorme! Là, c'est la première fois qu'on y vient, ici. Alors... Ah, putain, fais chier! J'ai envie de faire une technique de Castlevania, voilà, ça, là. Balancer la croix, pour si jamais il y a une truc. Une tête de méduse, ben, ça la tuera. Ouh! C'était chaud, là, quand même. On est tout en haut, c'est énorme! Ouais, mais regardez, l'endroit où je voulais aller, moi, c'était en bas, là. On la voit, la muscle belt, là. L'armure verte. Oula. Mais s'il faut, c'est la suite, là. Y a plus de musique. L'amour vient de haut encore avec ça, là.
François Xavier? Oh putain, c'est un boss. Je peux plus bouger. Qu'est-ce que c'est? Ah! Le château! Il y a des voix. J'entends pas beaucoup. Je peux toujours pas bouger. Et voilà, ça y est. C'est la suite! C'est par là, on a trouvé. Ok. À moins que ce soit un donjon bonus, hein, j'en sais rien, parce que là, je vois que ça continue. Ah! Putain, mais c'est chaud là-haut. Ouf! Faut bien le faire au sommet du saut. Bah, je vois où on est là. Ça va être chaud. Hein. Il faut que j'essaye de me suspendre à l'anneau là. Sinon, je peux pas remonter. J'ai qu'un seul essai. Ah! Ouh, c'est bon, j'y suis. Oh putain, ça y est. Yes! Bien joué. Et voilà une arme courtoise! Ah bon? Et il y avait joyeuse dans Dawn of Sorrow. C'est assez drôle. Et voilà, on passe à 103 points de dégâts. Énorme, on a eu raison de venir ici. Épée légère portée par les nobles. Et voilà. Splendide! Ça nous fait nouvelle armure, nouvelle arme, c'est excellent. Donc là, je peux pas remonter hein, vers le haut. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour, malheureusement. Je dois tout refaire, le chemin. Mais ça tombe bien parce que... Oh putain, one shot. Ça tombe bien parce que... on fait 112 en dégâts bruts, quand même. C'est-à-dire sans le truc de foudre. Par contre, attention à pas trop se prendre de dégâts. Je vois pas combien ils nous font, mais bon. La bonne nouvelle du jour, c'est que... putain, eux, par contre, on les one shot toujours pas. La bonne nouvelle du jour, c'est que... je sais plus. Non, j'aimerais essayer d'avoir ça, là. Voilà, en haut, là. Ce truc. C'est pour ça. Mais ça va être plus dur. Parce que... parce qu'il faut esquiver ces trucs de merde, là. Ça, là. Et je sais même pas si on est capable de le faire, hein, pour l'instant. Peut-être qu'il y a une upgrade qui nous permet de... On va tenter. On verra bien. Qui nous permet de 89%. Oui, le château. De toute façon, il faut continuer. On n'a pas le choix. Faut revenir vers le haut pour... Est-ce que je peux y aller, là, à ton avis? Ouais, il y a ça, là. Ouais, mais là, je peux pas les atteindre de là. Il faut que je me laisse tomber d'en haut, en fait. Que je fasse comme je viens de faire maintenant, en fait. Mais après, mais si je me foire, ça va m'obliger à revenir à chaque fois et à refaire tout le chemin, c'est un peu chiant. Mais je pense que c'est comme ça qu'on atteint les anneaux. Ah, quoique... Dégage. Bah non, je reviens ici, c'est complètement con. Oui, je sais pas pourquoi je suis allé en bas, d'ailleurs. Bon, là, le but, c'est de se débarrasser de lui, déjà. Ouais, bien, en un seul coup. C'est de revenir en haut. Peut-être de sauvegarder, je sais pas. Ça par contre, c'est chiant. Ouais, des fois, il vient vers le bas, tu sais pas pourquoi. Ouais, on oblige à utiliser la croix. Ouais, le but, c'était de trouver cette échelle, hein, voilà, pour aller là-dessus. Ah, c'est plus facile, hein, comme ça. Quand on a le dash en l'air, pas besoin de doser la distance du saut. Ouais, là j'aimerais bien savoir comment... comment je vais faire. On sauve... ouais, mais le point de sauvegarde, il est où? Ouais, c'est bon, il y en a un, juste ici. Et... je tente quand même de choper la ceinture. Il y a un point de sauvegarde juste à côté. Ce serait con de pas tenter. Et après, ben, on est parti pour le château. C'est la suite des aventures. Vous voyez, en voulant faire des trucs annexes, et ben, on a trouvé la suite. Ah, et en plus, il fait clair. Bien joué. Ça va me permettre de... Ouais, je vais pas ramasser le couteau. Dégage. Voilà, bien joué. Alors, comment je vais descendre? J'essaye de surveiller hein, les anneaux. C'est pas celui-là. Hein. C'est celui-là. Voilà, c'est ces anneaux-là qui m'intéressent. Putain, c'est chaud là-haut. En plus, avec ces trucs de merde-là qui arrivent à l'infini, ça va pas être facile. Hein. Je peux pas me laisser tomber avec bas plus saut. Alors, comment je vais faire? Est-ce que si je me suspends à cet anneau, celui-là qui est ici, est-ce que si je me... Putain, ça a l'air loin quand même.
Je sais plus où elle est la plateforme. Comment je vais faire là? Bon, attendez, déjà on va faire un truc. Ah merde! Donc là tu peux recommencer déjà. Et F2 c'est plus rapide, je pense. De toute façon, là, on était parti pour crever. Non, mais vous avez compris ce que j'essaye de faire, hein, je pense. Je pense qu'il faut faire un dash en l'air, se laisser tomber, dash en l'air vers la droite, double saut en l'air, et attraper le premier anneau, ça va reset les doubles sauts, je pourrais en refaire un autre. Je pense, hein. Parce que théoriquement, je suis toujours dans les airs, mais bon. Bon, le plus chiant, c'est d'arriver jusqu'à la droite, là. Se débarrasser du beholder et tout, voilà, lui, là. Évidemment, cette fois-ci, pas de sac. J'arrive en bas, pas de clé. Voilà, c'est ici. Je vérifie bien qu'il n'y a pas de méduse ni rien. Alors, ouais. Prends ça. Oh, elle m'a fait 104 points de dégâts et moi, un seul. Comment ça se fait? Non, je déconne, c'est l'inverse. Alors, comment... Ah, mais fuck! Putain de merde! Quasiment le même que tout à l'heure, là. Alors, de deux choses l'une... Soit je vais pas assez à droite, soit il faudrait que je fasse le double saut plus tôt pour atteindre celui de gauche. Parce que je pourrais sauter de celui de gauche à droite, hein, y a pas de problème, hein, rallier les deux. C'est un petit peu chiant, je m'en excuse, mais j'aimerais au moins essayer d'arriver à me suspendre à ces anneaux. Voir si c'est bien comme ça, je pense que oui, hein, c'est un petit peu chaud. Mais dégage. Merde, le couteau! Bon là ça me ferait chier d'y arriver à cet essai. Hein. Et avec à cet essai-là, hein, vu que j'ai pas envie de garder le couteau. Mais avec le bol qu'on a, c'est ce qui va se passer, c'est ça? Allez. Énorme, quoi. Cette fois-ci, on y arrive alors que je veux pas y arriver. C'est toujours comme ça. Hein. Oh, comment ça se fait que... Ben non. Comment ça se fait que j'ai pas pu m'agripper, là? Comment ça se fait que j'ai pas réussi à m'agripper au deuxième, là? Pourtant, j'ai pas ralenti hein, dans mon saut. Peut-être que si. Allez, hop. On réessaye encore. Motivé. Oui, on se déplace plus rapidement, hein, comme ça. Au lieu de se contenter de marcher, on pourrait faire ça, là. Regardez, vous voyez. On fait comme ça, là, sans arrêt. Ça nous permet de nous déplacer plus vite. Plus vite que la glissade, hein, j'ai cru remarquer. Alors, on attend la méduse, comme d'habitude. Ah! Alors, comment... Oh, putain, j'ai même pas eu besoin de faire le double saut. Je l'ai fait quand même, mais bon, alors. Ouais, d'accord, il faut faire ça. Mais maintenant, c'est là que je comprends pas, là. Oh, putain, énorme! Safe ring! Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'était pas une belt, mais c'était un ring. Alors, anneau de sécurité. Augmente assez la défense. Ouais, mais on perd moins 20 en attaque. Mais c'est incroyable. Mais comment ça se fait qu'on perd moins 20 en attaque? Eh oui, parce que celui-là, c'est... L'anneau de bronze, on en a été équipé jusqu'à maintenant. C'était attaque plus 10. Et anneau de fer, c'est attaque plus 20, quand même. Et ça, ça augmente... voilà, un peu et assez. Voilà, c'est l'équivalent pour ça. Hein. Ouais. Comparativement, l'anneau de fer, c'est largement mieux que la bague de sécurité. Hein. Attaque plus 20 et défense plus 6. Je sais pas. Je sais pas. C'est comme vous voulez. Hein. Soit vous la jouez à la défense, soit vous la jouez à l'attaque. Eh ben c'est bien, on a réussi. On retourne sauvegarder. Et on essaye de faire le plein de cœur sur le chemin. Et après, on est parti pour le château. Ça m'inspire pas confiance, mais bon. On risque d'en chier des bulles. Dégage. Mais de toute façon, on peut pas savoir hein, tant qu'on n'y a pas été. Putain, mais reviens. Léon, reviens, j'ai même à la maison. On est qu'à 72 sur 80. Voilà, c'est que des trucs à savoir, hein, vous voyez, dans ce jeu. Il faut le... Mais on arrive à le deviner quand même, je trouve. Je trouve, comparativement, je me débrouille... Encore ce mot, bah dis donc. Je me débrouille mieux que dans l'Odyssée The Lecard 1. Mais c'est normal, hein. C'est un peu le même gameplay et tout. Le double saut, tout ça, on est familiarisé avec ça maintenant. Même s'il y a beaucoup de différences, voilà, le tourbillon aussi. Et non pas le troublion. Le trublion.
on est familiarisé avec ça maintenant, on sait comment ça marche. C'est... On n'est pas dépaysé. Ouais, c'est bon, on est à 80. Allez, le château, s'il vous plaît. J'espère qu'il n'a pas besoin de réapparaître. Ouais, c'est bon. Ça doit être ça, hein, le château, fais voir. Château de la nuit éternelle, écrit en rouge. Il n'y a pas de... Me dis pas que c'est le donjon final, là. Y a pas de musique. T'es sûr que c'est par là qu'il faut venir, là? Ça m'inspire pas confiance à cet endroit. Hall d'entrée. Oh putain. Attends, s'il y a hall d'entrée, si après il y a corridor, si après il y a hall principal, etc., on n'est pas rendu. Hein. Et voilà, c'est là. Putain, mais c'est une zone! Ah ouais, carrément. Et on n'est qu'à 2%. À mon avis, c'est le donjon final. Et c'est très bizarre, bordel. On est loin d'avoir ramassé toutes les reliques. À mon avis, c'est le donjon final. Donc, à mon avis, il faut se préparer à en chier des bulles, à mon avis. Il y aura le jour éternel et les brebis aveuglées et brûlées sous les pleurs de leur berger. Ok. On risque d'en chier comme c'est pas permis. Hein. Je pense que c'est là qu'il y a les meilleurs ennemis et tout. Les épreuves les plus redoutables. Putain, mais déjà, là, il y a 20 000 endroits, là. Oh, un gold skeleton! Un squelette doré. Déjà, là, je peux pas y aller. Hein. C'est un putain de troll. Alors, est-ce que je vais pouvoir me le farcir? Ouais, c'est bon, en deux coups. Il y a sa petite tête qui a sauté, j'ai pas compris. La musique, je connais pas. Ouais, bien, ça. Oh là, mais c'est quoi, ça a plus de 132 points de vie? Je lui fais un coup à 132 et ça lui a pas suffi. Attention. Mais qu'est-ce que c'est, ça, là? Ouais, on connaît ce cri aussi. Bah déjà, ça commence bien que des nouveaux ennemis, vous voyez. Je me demande si on est vraiment de taille pour cet endroit. Bon, si on peut y aller, après tout. J'ai vu un truc en haut à gauche. Oh, une clé encore. Rouge, cette fois. Ah, mais si je peux! Comment ça se fait? Hall d'entrée, bibliothèque. Ouais, c'est ça, c'est séparé en plusieurs zones. Ben là, il n'y avait pas besoin de clé, vous voyez, c'est trompeur. Et je vais ici pour voir. Et c'est un téléporteur, quand même. Oui, parce que la zone de Adelbert, il n'y avait pas plusieurs téléporteurs, hein, bizarrement. Mais là, on peut dire qu'on y est, hein, quasiment. Oh non, mais d'où, bordel? C'est quoi ces putains de... Il est pas loin, au pire, je pourrais le reprendre, mais bon. Ça va m'obliger à tuer ces deux saloperies, là. Ah! Oh putain, comment j'ai esquivé! Mais non! Ça le met pas en pause, lui! Il m'a touché? Non, c'est bon. Même comme ça, il lui a fallu deux coups. Allez, gauche ou... droite ou bas? J'ai quand même envie d'en... Plus de musique encore et des trucs sans tête. Ouais, c'est pas excessivement compliqué. Putain, un ennemi qui a looté une arme secondaire? Oh non, pas ça! C'est quoi, ça? Ouais, la plupart des ennemis dans ce jeu ont des projectiles, hein, donc c'est pas pour rien que je me suis reculé. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, en un seul coup. Que des nouveaux ennemis, c'est incroyable. Bien, la croix. Oh non! Un slow gras! Putain, c'est énorme, slow gras, quoi! Les gay bonnes! Mais il va me toucher avec sa lance, là! Mais putain! Putain, il est puissant. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? C'est quasiment un mini-boss. Parce que c'est des ennemis récurrents, hein, à partir de Symphony of the Night. C'est des boss qui sont apparus avec Castlevania le 4. Et non pas le card. Et on les a vus dans plusieurs... C'est excellent, il était super bien fait. Et au bout d'un moment, il perd sa lance et il devient à main nue et il nous fonce dessus avec son bec et voilà quoi. On l'avait vu dans l'Odyssée, The Lecard... non, qu'est-ce que je raconte? Oh putain! Dans... putain, mais c'est quoi ces trajectoires? Ça change à chaque fois, là. On l'avait vu dans l'Odyssée Bloodletting, si vous vous rappelez. Non! Qu'est-ce que c'est? Non, ça m'a ramené ici? Pourquoi? Je vois où on est, hein. Alors, est-ce qu'il peut m'atteindre, lui? Ouais. Allez.
Ok, ben on va explorer en bas, hein, du coup. Est-ce que c'est le truc des illusions? Il y a une porte jaune, là, maintenant. C'est très bizarre, c'est très flashy, hein, comme couleur. Mais on peut pas. On peut pas ouvrir les jaunes. Bon, ben du coup, on n'a pas le choix, faut aller à la bibliothèque. On a fait tout ce qu'il fallait faire ici, pour l'instant, dans le hall. Mais ça va être super long, là! Et on en est déjà à 42 minutes. Ça va être chiant, cet endroit, là. Il y avait deux portes vers le haut. % seulement. Ah ouais, d'accord. Ça va être super long, hein, cet endroit. Merci. J'ai déjà tué les deux spectres. Ah non, les voilà. Ah! Saleté. On est qu'à 200 points de vie, ça va pas fort. Hein. J'ai presque envie d'aller... Ouais, je pense que c'est mieux. D'aller à un point safe. Ici, là. Et de sauvegarder. Oh, c'est en violet! Au lieu d'être en rouge. Alors, c'est quoi qui est le plus proche d'un point de sauvegarde? C'est celui-là, on avait dit. Non? Faut juste monter à la corde et on y est. Normalement, le jeu de la corde. Ah, ça, là. On va à droite et c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On continue d'explorer, là? Parce que maintenant qu'on a fait un point... Oh, one shot, bien joué. Maintenant qu'on est relativement puissant et que... On est peut-être au dernier lieu du jeu et tout... Mais ça veut pas dire qu'il y aura plus d'upgrade, hein, voilà ça que je voulais surtout. Mais putain, mais... Chier cette direction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? Récupérer des upgrades d'HP Ouais, là j'ai besoin du texte, évidemment. Alors, ici, 98%, et le seul truc qui manque, c'est le truc de l'eau, et je commence à me demander si on l'aura un jour. Parce que là, c'est quand même bizarre. Hein. Alors ensuite, là. Il y a toujours cette salle suspendue, là, en haut du grand rectangle à gauche, là, à côté de la flèche rouge. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Comment on y va, bordel? Le rectangle, là, où il y a deux trous vers le haut, là. Parce que vers le bas, c'est de l'eau, on s'en doute. Mais en haut, là, je vois pas... Alors, c'était là où il y avait le boss arbre. Je vois pas du tout comment y accéder. On ira plus tard. Là, c'est Adelbert, donc ça, c'est de l'eau, pareil. 89, hein, seulement. Château de la nuit éternelle et... Ça, c'est marrant, ça. Voilà, Rome ancienne. Ah, peut-être que là aussi, il y en a un vers le haut, du coup. Parce que là, vers le milieu... Quand on va vers le haut, c'est le premier niveau. Et là, à la droite, quand on va vers le haut, c'est ça, là. Mais bizarrement, pour revenir, c'est la touche gauche. Là, là. Pourquoi c'est pas la touche bas? Il s'est trompé, j'ai l'impression. Parce que là, c'est la touche haut pour y accéder. Bon, Alors, il y a probablement des trucs qui restent à faire en dehors des zones non explorées. Hein, et des trucs qu'on a déjà explorés, donc qui sont pas enfoncés, qui sont en clair... Comme ça, la plupart du temps. Mais il y avait des trucs, des parties de cette zone où on n'a pas pu y aller parce qu'on n'avait pas le dash en l'air et tout. Mais bon, on s'en fout, on va pas explorer, on va continuer le château. Et si on a besoin de sauvegarder, on reviendra ici. J'espère. J'espère qu'on arrivera toujours à trouver un moyen de... C'est bien. Ça nous évitera de refaire tout ce qu'on a fait dans le hall. Et là, on est parti pour la bibliothèque. C'est plein de... C'est plein de surprises, hein, ce jeu. Allez, hall principal, merci. Et voilà, merci le point de TP. Voilà, la porte rouge. Et on s'était arrêté ici, on n'avait pas été plus loin. Oh, il s'est stoppé. Il a avancé tout seul, voilà, bibliothèque. Oh, je connais ça, cette musique. C'est Super Castlevania 4, mais c'est loin d'être l'une des meilleures. Hein. Ouais, c'est celle-là. Ding. Alors, je vais pas chanter. Mais je vois très bien laquelle c'est. C'était la musique de la grotte, normalement, avec les golems, là, qui se scindent et qui font ramer le jeu, là. Je crois. Hein. Oh, des méduses violettes. Je vois pas c'est quoi la différence, mais bon. Ouais, c'est effectivement ça. Hein. Ah, non, c'était le niveau de la bibliothèque, non? D'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Non, c'était pas la grotte, c'était le niveau de la bibliothèque avec des livres comme ça, là, qui volent aussi et qui nous sautaient dessus. Ouais, bien joué. Sauf que là, ça sert de plateforme. Mais pourquoi il y a des livres blancs et des livres violets?
Et ça va, c'est pas insurmontable. Limite, ce livre-là, il sert à rien. Ils font chier, ces méduses. Alors, gauche ou droite? Allez, je prends celui-là. Oh, les mêmes livres que dans le card 1. Avec le même effet 3D, entre guillemets. Les mêmes attaques. Normalement, ils en ont 3 différentes. Apparemment, ça a un petit peu changé. Est-ce que c'est le même cri quand il crève? Ouais, c'est ça. Bon, il y a un truc en haut, là. Hein. Eh, je peux y aller. Oh putain, ça fait 3 chemins. Le droit chemin. Oh, un poids de sauvegarde. C'est toujours ça de prix. Tant mieux. Pour une fois, on l'a trouvé relativement rapidement. J'ai quand même envie d'aller à droite. Tiens. Des livres qui ont de l'argent sur eux. Alors, je regarde juste ce qu'il y a en haut. Oh, bien. Oh merde, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'est fermé? Trappe statue! Mais pourquoi? Ah merde, c'est ça. Putain, comme dans le premier, le card. Ça va être chaud, hein. Surtout avec ces pucemans de merde, là, qui nous... Putain. Qui arrête pas de nous... Putain, mais ils font chier, là. Et je vais crever si ça continue. Et merde. On va se faire aplatir comme... Ah, c'est bon, là? Ça continue pas? Ah ben c'est bon, c'est facile. Moi, je croyais que... Oh, c'est bon, c'est simple, hein. Il a été gentil, franchement. Oh non! Ah énorme! Mais de toute façon, on s'était fait tuer par le puceman, hein, je crois. Donc c'est des mages, hein, normalement, mais bizarrement, ils sont comme les vers. Ah si, ça nous a quand même écrasé et ça nous a fait des faux espoirs. Bien joué, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait un boss ici, hein, c'est n'importe quoi. Il va rien nous donner, c'est ça? Espèce de rapia, là. Et non pas Sébastien Rassia. Allez, je vais quand même... C'est vraiment un troll, ce truc. Allez, maintenant, je le bourrine direct, hein. Allez, c'est bon, on est mieux que tout à l'heure, là, déjà. Tiens. Faut essayer de la toucher le plus rapidement possible. Peut-être avec ça, là. Et tuer comme ça, mais ça me prend des cœurs. Hein. Donc, moins de croix. Mais dégage, saloperie. Là, si t'as pas la croix, bonne chance. Hein. Ça va pas vite, putain. Ils font chier ces pucemans, hein, y en a trop. Mais putain, fais-le ici! Oh, bien joué, 2 coups critiques! Allez, vite! Oh putain! Wow, encore un coup critique, et ça nous a rien donné. Ah si! Une réserve de cœur, merci! Et ça nous a régène à fond, et on peut continuer vers le haut. Bien, le boss. Merci! On va s'empresser de sauvegarder. C'était pas évident, là, encore quelques... centième de seconde, et je pense qu'il nous aurait... Il nous aurait bien niqué. Ah, mais d'ores et déjà, c'était pas inutile de venir ici. Mais je me demande quand même ce qu'il y a à droite de l'écran, là. Ah, allez, j'y vais. Je vais tenter. C'est quoi, ça? On connaît pas, cette attaque, là. C'est pas les mêmes attaques que dans le... Il pouvait invoquer des pucemans aussi, il me semble. Deux. Des vers. Voilà, ici, là. Dans le premier. Oui, c'est bon, on est déjà à fond. Ok, ben on a eu raison de venir ici. Hein. C'est quoi, ça? Oh! C'est écrit « Insérer le montant requis », t'es sérieux? Masse de combat! Une arme puissante au combat, 8000 quand même. Hein. Et voilà, je me doutais qu'il allait avoir un autre sac à dos. Au pur. Putain, une arme à 8000, quoi. Et il faut pas oublier la flûte. Hein. La flûte à 10 000 aussi, donc ça nous fait 18 000 plus 6 000. Ça fait 14 000. C'est ça? 18, 19, 20... Ouais, c'est ça. Il nous faut 18 000 alors qu'on est qu'à 3 000. Et c'est incroyable, franchement. Bon, faudra se souvenir que c'est un mage ici, hein. Enfin, un marchand. C'est complètement con, mais bon. Ouais, c'était pas inutile. Pff, comment veux-tu t'en souvenir? C'est pas grave, on verra. La masse de combat, t'es sérieux? Elle doit être encore mieux que ça, hein. Et ça se trouve, c'est la dernière arme du jeu, hein. La meilleure. Je sais pas. Je pourrais pas vous le dire, je sais pas ce qu'il a derrière la tête, hein, pour ce jeu. Est-ce qu'il a fait des modes bonus? Est-ce que... Tellement de questions qui restent en suspens. Mais d'ores et déjà, c'est bien, hein, la durée de vie. Faut pas se fier au compteur de jeu, j'ai l'impression. Bah, déjà, là, je peux pas y aller, en haut à gauche. Ça semble évident qu'il y a un super saut. Là, ça y était presque, mais... Seulement 6%, mais c'est incroyable.
et non pas 100%. Ah putain, je me doutais qu'on pouvait le lire. Ils aiment bien les livres. Premier endroit que vous verrez en arrivant au château, une grande statue de l'ange déchu trône... Ah, c'était ça ? C'est bien... À mon avis, je voudrais pas spoiler ni rien, mais... Le boss final, voilà quoi. Ça semble évident hein, de savoir qui c'est. Voilà. Trône au milieu de l'an. Parfois, il a des yeux étranges sur certaines portes. Surtout, ne le regardez pas quand ils sont ouverts. À mon avis, il faut se retourner. Vous voyez, s'ils sont à droite, faut se faire comme ça. Voilà. Il y a des fois, dans Castlevania, notamment Portrait of Ruin, quand on affrontait la méduse, il fallait se détourner de son regard pour pas être transformé en pierre comme ça. Cet endroit est merveilleux, même à l'intérieur, on peut ressentir le temps. Attention, le temps peut changer très rapidement. Couvrez-vous vous bien. Donc il faut s'abriter, c'est ça? Oula, ça c'est pas engageant, ça. C'est terrifiant. Surtout de la nuit éternelle. Machinerie. Plein de pièges et de méca... Oh non, pas la Clock Tower. Dans la machinerie, tout est contrôlé. C'est ça, hein, ça se trouve. Les endroits à éviter. Si vous voulez en finir avec vos misères... Allez dans la chambre des morts. C'est une salle avec des rideaux jaunes. Il y a là-bas tout ce qu'il faut pour choisir votre façon préférée. Et puis c'est bien, on ne pourrait plus sortir. C'est peut-être des salles d'épreuve, hein. On peut sortir que si on tue tous les ennemis ou je sais pas quoi, c'est possible. Aïe. C'est possible que ce soit ça, hein. Il y avait ça aussi dans le Castlevania. Oh merde, j'ai ramassé le couteau. C'est trop con. Ouais, merci. Ah, celle-là, je peux pas la faire réagir, par contre. Je peux pas me laisser tomber. Et je pense qu'on peut... Non, même pas! Merde, je fais quoi, maintenant? Quoi? Mais non, c'est pas possible! Mais qu'est-ce que je fais, maintenant? Je peux pas, hein. Alors, je vais essayer avec lui, là. Fais ta merde! Voilà ça! Ouais, merde, non. Ça m'a fait un mouvement de recul, mais on va se faire tuer si ça continue. Bon, attends, je vais essayer... Ah si, ça me fait sauter plus haut, quand même. Ah merde, il m'a projeté dans l'autre direction. Ouais, je vais pas faire ça, parce qu'on va finir par se faire marave. Hein. Puis ça m'étonnerait que ce soit ça, franchement. Ah, mais bordel, va te faire foutre. Alors, pourquoi... Oh non, j'ai ramassé le couteau. Non, je déconne, je l'avais déjà. Ah, t'es sûr que je peux rien faire, là? Putain, mais c'est bizarre, quand même. J'ai nulle part où aller, hein. Alors, il y a peut-être des indices là-dedans, hein, mais je vois pas, là, comme ça. Je suis allé partout! Peut-être qu'il faut s'équiper d'un objet en particulier, je sais pas, mais... Tout est bloqué, là? Attendez, il y avait le marchand... T'es sûr que tout est bloqué, là? Ça fait beaucoup de salles, quand même. On peut pas y accéder. Et j'ai que la moitié de mes points de vie. Ah, mais c'est sûr que je peux pas. En profiter pour sauvegarder. On n'a pas fait grand-chose, mais bon, j'ai l'impression qu'on a fait le maximum qu'on pouvait faire. Et on en est à 56 minutes. Mais ça fait pas tout à fait une heure, et lors de la dernière partie, j'ai déjà arrêté alors que ça faisait pas vraiment une heure. On va essayer d'en profiter pour réfléchir un petit peu. Essayons de nous rappeler... Essayons de nous rappeler les salles précédentes, là. Ah, il y a la map colorée en vert pour nous indiquer là où il y a le marchand. Alors, je me souviens qu'en tout en bas, c'était une porte jaune, voilà, qui est fermée. Et ce serait logique que ce soit la clé en or pour l'ouvrir. Mais bon, parce que jaune, or, tout ça. Alors, par contre, en dessous, là, c'était quoi qui me bloquait? Le couloir, là, à droite. Qu'on voit que ça continue, hein, mais bon. Bon, on va essayer de... Parce que je veux bien aller ailleurs, hein, si vous voulez, mais... peut-être qu'il y a un autre upgrade, hein, qui... Le super saut, peut-être qu'on peut l'avoir ailleurs, hein. Ça, c'est le marchand, on avait dit. Quoique... Ah ben non, c'était en rond... Putain, je comprends pas. C'est... Pourquoi... Non, c'est ça, le truc vert. Oui, c'est c'est l'entre-deux portes, entre guillemets. C'est le couloir. Voilà, ça, il considère que c'est un village. Donc s'il veut, hein. C'était pas le marchand, c'est n'importe quoi.
Les espèces de temps de chargement à la Symphony of the Night. Pas grave, hein, si je me fais toucher. 410 affichés en même temps. Comment j'ai fait ça, là? 410? Eh ben, dis donc. Tiens. Alors, l'endroit où je voulais aller, c'était ici. Ouais, mais là aussi, c'est bloqué, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, c'est là où il y avait... Ah oui, c'est vrai, on a été téléporté. Alors attendez, j'ai envie d'essayer un truc. Équipement. Bandeau qui permet d'éviter de se perdre là. Voilà. Préserve votre esprit contre les troubles de l'orientation. Voilà, donc ça va... Voyons voir si c'est ça. Si c'est exactement pareil que le... Que l'endroit violet là. J'ai des doutes, hein. Parce que c'est pas pareil, hein, quand même. Il y a eu... Ouais, bien la hache. Ah non, le v'là, lui. Ah, je l'ai quand même touché. On va pas pouvoir reculer comme ça éternellement, hein. Mais c'est pas trop mal, là, ce qu'on fait. Ah ouais, mais là, il va faire ça, maintenant, putain. Vas-y, fais ta merde. Il a tremblé, hein, avant de le faire. C'est un vrai fourbe. Bon, ben, adieu. Hein. On laisse tomber, c'est pas grave. Ça sert à rien de le tuer, franchement. À part pour les loot, mais bon. Oh, ça, mais c'est une arme différente à chaque fois, c'est assez incroyable. Alors, fais voir maintenant, là. Et c'était ça. Non, c'est... Ah, ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai vu l'œil. Putain, c'était pas évident, quand même. Hein. Et il nous ramène loin, cet enculé. C'est bon, j'ai compris. Merci l'indice dans les... La bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a récupéré la hache. Il faut se retourner quand il ouvre l'œil. C'est une partie de cache-cache. Voilà, il faut se... Admettons que l'ennemi de droite, là, ce soit l'œil. Voilà, dès qu'il se retourne, il faut faire ça. Et après, il ferme les yeux, donc tu peux te rapprocher. Il se retourne, tu te retournes. Voilà, mais c'est chaud quand même. Ah ! Merde, il m'a touché cet enculé, j'ai perdu mon truc. C'était pas une très bonne idée de faire ça. Hein. C'est pas grave, on peut passer. Alors, je me retourne. Voilà, il ouvre les yeux. Ensuite, je me retourne. Je fais petit à petit. C'est ça. Hein. Et je pense que je vais pouvoir le tuer. Ça le prix d'œil. On lui tape dessus et il sait pas qui c'est. Ouais, c'est bon. Nickel. On a réussi et on peut continuer de passer. Splendide. Ouais, du coup, je vais garder ça. On sait jamais. Mais les mobs invisibles, je me demande vraiment ce que c'est. Oh putain, trois chemins différents. Haut, bas ou droite. Ah, il y a même trois portes, hein, à droite. Ouais, c'est ça. On rentre une fois et il découvre toute la salle. Regardez. Je suis allé qu'au milieu. Je suis pas allé ni en haut ni en bas. C'est pas comme ça, hein, normalement, dans les autres. Ah, ça fait une heure, fait chier. Bon, ben, je vais être obligé de reprendre juste après. Parce que là, on peut pas sauvegarder. Et il a tout découvert en un seul coup, au lieu de le faire progressivement. Bon, allez. On se laisse là. Je ne sais pas par où on commencera. Mais j'aimerais bien, je cracherai pas contre un point de sauvegarde. Bon ben, à plus pour la prochaine partie.